tout le monde. Yo! Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Rastali, bonsoir. Mais bien sûr que je suis dans la tête de con. Et alors? Mais je t'ai invité, alors je suis venu, on m'a dit on va boxer des cartes là. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Bon alors c'est à qui ces box? Alors ça c'est mes deux box Gundam volume 2. Ok, bah vas-y. Donc j'ai reçu la deuxième box en début de semaine. Et la première? Et la première il y a hyper longtemps. Hyper Saiyan? Il y a Hyper Saiyan. D'accord. Donc, au début, SSK avait lu un article. Attends, j'ai évité de la niquer. Avait lu un article qui disait que il y aurait un full par box. Mm-hmm. Donc, du coup, j'en ai pris qu'une seule. Et puis, il s'est avéré que j'ai lu un article. Et même nous, quand on a ouvert les box du volume 1, il n'y avait pas un full par box. Donc, du coup, j'étais obligé d'en prendre une deuxième. Donc, on va vraiment ouvrir des box Gundam. Bah franchement je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus stylées que les box Dragon Ball de merde. Rastali est au bout de sa vie là. Non en fait. Attends franchement un mec qui collectionne des cartes Berserk. Je suis un peu pris par le temps là. Et les cartes Berserk Center en plus. Ouais. Ça va et même pas 21h30. Voilà. T'es trop violent. J'ai vu cette box. T'es trop violent. Attends, j'ai vraiment de la regarder avant que tu puisses la filmer. Elles sont quand même. Comme ça tu filmes la table. Elles sont quand même plus belles que les box Dragon Ball, moi je le dis. Donc apparemment il y a un téléphone dedans. Non, c'est plutôt sympa. C'est pour jouer au jeu. Tu peux jouer sur ton téléphone en fait. D'accord. Un réseau social, jeu vidéo, RPG, avec les jeunes dames. Ouais, il y a la même carte sale de meuf, c'est toujours la même en fait. Donc là, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir, les prismes ne sont pas en violet et les raies ne sont pas en blanc. Et on ne sait pas ce que. Quoi veut dire quoi. Exactement. Alors par contre, est-ce qu'il y aura une sorte de petit Hall of Fame sur la box? Comme sur la première part. Qu'est-ce que t'appelles Hall of Fame? L'espèce de carton là, quand tu l'assembles et tout, à la fin ça fait une sorte de bibliothèque avec des cartes dedans. Là, tu t'en souviens? Ah, c'est le fond du. Le du fond, truc. Exactement. Alors, vas-y. On y va, hein. On le fait à la barbare? Enfin, pas pour la box, j'ai pas les. Niqué. Mais. Je sens qu'avec cette vidéo, Rastali va vouloir se mettre au Gundam. Tu es assez circonspect en fait. Du moment que t'es pas circoncis, ça va. Allez hop, déjà on les sort. Pour voir le fond de la box. Oh, c'est la même. C'est magnifique. Je suis en totale extase. D'accord, t'as un petit décor. Si, c'est le musée Cardass, regarde. Tu vois, il y aurait ça en DB, ça serait stylé, mais non, il n'y a pas. Ah bah super, tu m'as spoilé la prochaine vidéo. Exactement. Complètement, quoi. Voilà. Bon, bah au revoir, bonne soirée. Bah c'était sympa. merci. Allez, vas-y. Donc à savoir que, juste je regarde rapidement, il y a du coup encore 6 new. Yes. Voilà. Donc Rastali. Mais comment on connaît pas les premières cartes toutes si on les, enfin nous on les connaît mais pas toi. Ouais, genre. Non mais il y a les originales. Ouais. Et donc tu vas reconnaître que les nouvelles quoi. Tu vas dire. Oui, il y a un new sûr, dessus. Il y a marqué new dessus. Ah d'accord, les mecs sont malins. Ah. T'as vu. Pour les noobs ils se sont dit bon. C'est ça. Ah, zut. Bon bah. On arrête la vidéo. J'ai pas assez ouvert. Coupe-les directement. Aïe. Ah tu laisses le petit forcément. Ouais. D'accord. Ça fait moins de. Alors une raie random. Une raie random avec des cacas rouges. Ouais. C'est une épée. Il y avait vraiment trois cartes la dernière fois. Ouais. D'accord, trois. Putain, règles. Super. En voilà. Effet. Bon, bah écoute. Voilà, merci de. On va aller loin avec ça. C'est 20 boosters, c'est ça? Cool. 20 boosters. Donc ça fait 60 cartes. Je sais pas quoi dire. 60 cartes pour une nouvelle vie. T'as pas ouvert assez. Retire-les complètement. Une truc. Une carte qui a un bruit. Ah, voilà. Un truc qui a une prime. Ça brille. Encore un l'épée et. Une normale. Une prisme. Avec un petit décor, genre. Je sais pas. Ok. Voilà, une sorte de construction avec un escalier. Et un trône. Voilà, le trône de pierre. Le trône de fer. Donc, série numéro 31 sur 4. Ah zut, on oubliait de décrypter. Alors là, il y a écrit Bandai 2015 Made in Japan. Parce que c'est sorti en 2015. Là, il y a écrit KCQ 02 parce que c'est Night Cardass Quest. Part 2. Part 2. Donc, alors lui, on l'a déjà vu, non? Déjà.
L'arc. Voilà. Sublime. Et. Oh la gueule! C'est un Cybermen. Ouais, je sais pas, il a deux paires d'yeux. Très étrange, ouais. Ok. Ouais, et juste pour revenir, donc c'est toujours les nouveaux dos avec un personnage tiré du screenshot du jeu. Ouais, donc t'as deux numérotations en fait. T'as la numérotation de la carte, là c'est la 30 sur 42, et t'as la numérotation qui suit en haut 72. Totalement random. Bravo. Donc, un mec ou une meuf, je sais pas. Un mec peut-être. Ouais. Bon, alors, c'est rien. Avec une belle cape. Tu l'as déjà. Putain, mais c'est incroyable. Et tu lis la joie au bout. Avec un œuf de Yoshi avec derrière. Avec un baluchon. Ouais, ou un fruit du démon. Attends, je vais mettre les prismes d'un côté. Démon, ouais. Il y en a combien des prismes en tout du coup ? Il y en a 6 plus 6. D'accord. Et il y a 4. Dans les 6 nouvelles. Il y a voilà. Au moins 4 new. Non, 6. Il y a toujours 6. Enfin, dans la box, il y en a 4. Dans une box, il y en a 4. Dans la box, il y en a 4. Enfin, normalement. Et là, c'est une prisme que je n'ai pas, donc... Toujours, ouais. C'est avec le fond un peu... Un Gundam Renoir. Un peu chelou, quoi. Donc, alors là, il y a encore les caca, et là, il y a une... Oh, une armure. Une armure. Très bien. Est-ce que t'as un Rexed dans la box ? Oui. Oui. Normalement, oui. Ouais, dans la box, il y a tout full, sauf il manque de new. Donc, c'est pour ça que t'es obligé d'avoir une deuxième box. Et croiser les doigts. Et croiser les doigts. Ouais. Donc une sorte de charge avec les deux autres mecs. Voilà, une sorte de loup, une princesse et une new. En effet. Yes, super. Ça s'appelle le concept. Ah ouais, vas-y, explique un peu. Bah il y a écrit new en fait. Ah. Ça veut dire que c'est une new. Effectivement. C'est exactement ça. Et c'est le numéro 1 sur 6. Ah, parce que du coup, derrière, elle a une numérotation. Derrière, ouais. Oui, parce qu'elles n'ont pas de vraie numérotation. Genre, ah, il n'y a même pas de numéro en haut, quoi. Bah, genre, les new de deux parts différentes ont la même numérotation, quoi. Donc, d'accord. Un robot de profil. Mm-hmm. Un miroir. Un miroir étrange. Et là, 43. Bon. Très bien. Ça me fait 4 prismes différents. Différents, pour l'instant. Enfin, 5 si on compte la new. Non, mais les new, ça compte pas, tu sais bien. Je suis assez d'accord. Que finalement elle est quand même plus jolie que les autres. Mais on pourra pas la mettre sur le site parce qu'elle a pas de numérotation en fait. Eh ouais, bah ouais, compliqué. On va pas le faire. Donc là, un prince chat. Ouais, un prince chat, ouais. Ouais. Un truc. D'accord. Il est pas beau lui. Hein. Et une nuit. Ouloulou. Elle est violente celle-là avec le. Putain, c'est stylé. Il a du sperme. C'est un gros fight de ouf. Putain, je sais pas ce qu'il y a qui coule, mais c'est. C'est vrai que c'est un peu chelou. Il se frotte, mec. Ouais. Très belle. C'est la numéro combien celle-là ? Numéro 3 sur 6. 3 sur 6, très bien. Bien joué. Pour l'instant, t'as aucune double en prisme. Ouais, normalement, ça, y'a pas de soucis. Mais... T'en as deux, je crois. Dans une box. Donc, un brigand. Ouais, ouais. Pas vu encore, hein, je crois pas. Pas vu, non, celui-là. Le loup chelou. Et la princesse. J'ai vu aussi. Ah, un scarabée. Scarabrut. Oula, une meuf punk. Stylé. Stylé. Et on l'a pas la prisme numéro 49. Putain, elle est belle celle-là aussi, en jaune comme ça. Donc j'ai 5 sur 6. Passons à la deuxième pile. Quelle pression. C'est insoutenable. Je sais pas si on va savoir faire la deuxième boîte. Hein. Ouais. Là, j'espère pas. Mais je prends le de bonheur. On l'avait pas. Non. Ouais, non plus. Une nonne. Oh, c'est la dernière. C'est... Wow. Voilà. Ah non, elle est sympa celle-là. Une prisme 7 avec le mage, 71. Voilà. On fera un récap de façon avec les prismes après. Ah bon ? Bah, j'adore faire des récaps. J'adore, c'est un petit peu. D'accord. C'est infini en fait. C'est un peu mon concept. Concept Pelling Bob. Donc, une princesse chevalière. On l'avait pas. Un mec qui tourne le dos. Et une sorcière magicienne. T'as vu que cette carte-là, en fait, le fond, et on attendait des comme ça aussi en parfum. Yes, effectivement, ça doit être la salle du trône ou... C'est ça. Ouais, ça ressemble un peu à la salle dans... Le QG des Gundam. Oups. Dans Zelda 3. Ou dans Final Fantasy. Je vais mettre un petit coup d'épée dedans pour passer. Ah ouais, tu vois. Je vois. Donc alors... On l'avait déjà. Oh, le sceptre maléfique. Et... Ouloulou, la new un peu assez violente. Belle, celle-là. T'as vu l'espèce d'écriture. Eh, c'est la seule avec un logo. Ouais, hein. C'est ça, un petit logo sympa. C'est la série dérivée. Tu sais, la 2. Donc, soit ils sont gourés ou c'est la 5 sur 6. Elle est complètement stylée. Ah, t'as vu, regarde le dos. T'as vu, tu fais un combo avec le miroir.
Yes. Ouais, elles sont toutes comme ça, mais comme j'ai pas réussi à trouver les règles, donc elles ont toutes ça en fait. Elles ont toutes au dos un screenshot d'une autre carte, mais de l'image de la carte dans le jeu. D'accord. Donc là, on l'a déjà, le chat déjà. Chelou. Ouais, c'est aussi. Le mec rouge et le sceptre. Hop. Là, ça va aller plus vite. Il va te manquer une new pour l'instant. Enfin, plus 3, mais ouais, une dans la box, à moins que. Coup de chance, qui sait. Maintenant, mais bon. Comme les dés. Alors. Tu l'avais pas. Elle non plus. Oh, et. Tu l'as déjà. Putain, les enfoirés. Bah, c'est normal, je t'avais dit. On sent toute la tension là. Toute la tristesse en toi, Juju. Ah oui. Non, on m'en fout, j'ai la deuxième box. Faut les échanges avec Calyx. On s'est déjà prévu ça. Alors, ça le mec télévision. Le mec télévision, ouais. Il est très sympa. Le fakir. Oui, attends, mais. C'est quoi cette gueule? Et non, le Sabamen. Que tu avais déjà. Il y a combien de prises normalement en tout? 6. Ah d'accord, donc là il faut espérer que la dernière ce soit aussi. Ouais, non mais je veux dire dans ta box. En tout, il y en a 12. D'accord, c'est ça, mais du coup. Il te manque une new. Attends, Bah espérons quoi. Hop, reg. Oula, pas. Les deux tu les avais pas, les trois non plus. Oh, il est sympa lui, petit dinosaure, dragon, je sais pas quoi. Mm-hmm. Hop, bon. C'est un peu l'animal de compagnie des Gundam en fait. Tu crois? Ouais. Ouais, je crois dans la mythologie Gundam, il est Gundam de compagnie. Il est juste en dessous en fait. Bon. Ah. Tu l'as déjà. Ça oui aussi. Et waouh. Ouais, encore un autre logo. Ah, celle-là, elle est en belle. Celle-là, elle est assez stylée quand même. Ça, je... Ouais. Ah, avec le petit truc là aussi. Là. Ah, elles ont toutes un... Ah non, elles ont pas toutes. Ouais. Bah, celle avec les logos, elles ont là, au lieu du HP ou je sais pas quoi, MP là, ils ont... Ouais, celle-là en combien, celle-là? Ah, celle-là. La 3, la 2. La 5 et la 6. T'as donc t'as une 5, 6. Et non, j'ai une 3, 5, 6, je crois. Ouais. Bon, je crois que ça sert à rien de les ouvrir. Ça sera que des règles dedans. Ouais, ça sert à rien de les ouvrir, celle-là. C'est un peu. C'est Booster, c'est un peu le chat de Schrödinger. C'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Non, si, je sais ce que c'est. Voilà, donc petit moment rangement. Tiens, moment Alain, Rastali, Alain, peux-tu nous faire un fichier récap, s'il te plaît, les prismes? Donc ça, c'est une prisme Gundam. Ça, ouais. C'est une prisme Gundam. D'accord. Ça, c'est une prisme Gundam. Ouais. Celle-là, c'est une prisme Gundam. Mmh. Ça, c'est une prisme Gundam. Et celle-ci, c'est une prisme Gundam. D'accord. Et sur les après, New Gundam. Ça, c'est une prisme New Gundam. Celle-là. Celle-là, ouais. C'est une prisme New Gundam aussi. Ouais. Celle-là a une prisme New Gundam. Ouais. Et puis celle-là, bah, une prisme New Gundam. Très bien. Parfait. Bah écoute, merci pour ces explications. Merci. C'était très complet. C'est un plaisir. Bon, attends, hop. Super service. Bon, donc maintenant, on va ouvrir. 50 boosters pour deux cartes. Voilà, c'est ça. En fait, on sait même pas si t'as toutes les règles. En gros, le but du jeu, ça va être de quand est-ce qu'on va s'arrêter en fait. Bah, tu peux regarder. Non, tu peux regarder. A priori, ouais, mais. Hein, Comment? Le but, ça va être quand est-ce qu'on va s'arrêter en fait. Et voilà. La dernière fois, on s'est arrêté très tôt. Ouais. C'est vrai. On a été sage. Ah non, on a même pas été sage, on a été chanceux. Ah, celui-là, il porte bonheur. Il était caché. À tes souhaits. Il m'a fait éternuer en plus. Merci. Lui, il doit y avoir deux nus à l'intérieur. C'est vrai. Et imagine, il y avait quatre nus, enfin, il y avait trois nus dans ton truc. Ouais, non, bon, tu vois. Okay. Il porte vachement bonheur. Ouais, je pense que c'est le début de la fin. Et imagine, dans les deux derniers boosters, t'avais les six cartes raies qui te manquaient. Mais j'en suis sûr. Mais bon, comme il y a des siens en fait un monde. Il y a un millier d'autres. Putain. Je vais la mirer un peu plus près. Non, c'est mal barré pour s'arrêter tout ça. Ouais, c'est ça en fait. Après, je suis un peu désespéré. Après, c'est sûr que ça me ferait chier d'avoir. Ah, c'est stylé. Ouh, tu l'as pas. Si, tu l'as. Ah merde. C'est une prismatique. C'est une. C'est pour faire le prisme Gundam. Le prisme 7 bis. En vente sur eBay à 24,90. Ah, je crois. Frais de port rempli. Hop, on s'en fout. J'avais oublié à quel point c'était chiant d'ouvrir des boosters. Ça fait longtemps que t'en as pas ouvert. Ah merde. Je crois, ouais. Heureusement que t'as pas commandé de Dragon Ball, Fukatsu, je sais pas quoi. Ça serait triste. En fait, si, mais il est. Ah, mais tu.
T'as commandé des Sailor Moon? Ah oui, mais je les ai pas ouverts. Ah bah voilà, t'aurais pu les ramener. Tu les ouvres pas? Non, je pense pas, je vais faire de la spéculation, les garder pendant une quarantaine d'années, et puis après la fin du monde, les ouvrir. Moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que tu penses que les cartes CCG ou même les cartes ou les card games ou les super card games, les box dans 40 ans, ça vaudra une fortune? Non. Non, spéculation sur ces cartes-là. Les gens qui achètent des trucs aujourd'hui n'ont pas la même. Ils ont plus une mentalité de collectionneur que les gens qui achetaient des trucs à l'époque, je pense. Je pense que les gens ont plus maintenant la conscience qu'il faut pas acheter les trucs et que les choses peuvent valoir de la valeur, et donc du coup on est plus spéculateur qu'à l'époque. C'est une belle analyse. J'ai rien compris. Tu reverras la vidéo. Il faudrait que tu nous fasses un article dessus. Alors là par contre, contrairement à tout à l'heure où t'as dépilé une pile à la fois, là tu fais... Ouais, ça m'a saoulé, m'a saoulé de sortir une new, j'ai bon allez, j'y vais à la YOLO. Oh. Est-ce que tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Bravo. 5 sur 6. Ah, c'est le fameux Gundam avec le spectre. Ah, regarde en dessous, il a un bébé à droite. T'as vu? Ouais, j'ai vu. C'est le sac bébé. Et c'est la numéro 2 sur 6, regarde, tiens. Ah ouais, quand même. Oh, t'as la flèche, tu l'avais pas la flèche. Hein? Putain, c'est chelou quoi. T'es sûr qu'on avait pas la flèche? Je sais pas. Bah si Bob le dit, Bob, et sa mémoire des visuels. J'ai l'impression que tu l'avais pas non plus lui. Putain, une prisme en double. Ouais, tu l'avais pas lui. Le premier. Ah ouais, putain, le Steven Seagal. Steven Seagal et le roi non plus. Tu vois, je t'avais dit dans tes deux boosters là, t'avais les cartes que t'avais pas. Ah, effectivement. Incroyable. C'est amazing. C'est impossible. Le fameux miroir. Ouais, bon, ok. Je déteste les boosters. Hein. Maintenant, je vais plus acheter que des foules d'un coup. Quoi. Ouais, je pense que c'est vachement bien de faire ça. Des box revival. Tu l'as déjà. Non, c'est une prise normale. Pas une new, quoi. Ouais. Là, on attend encore normalement deux new. Une. Bah, non, deux. Non, ouais, trois. Deux trois. Dans la box. Deux. On a deux dans la box. Mais sur les deux. Non, tu oh putain, il reste plus qu'une chance, Aïe. Oh là là, ça va me saouler, ça va me saouler. Attention, il t'a son comble. Eh, mais sinon, j'insulte à Miami, je leur dis, mais putain, mais vous êtes des enfoirés, quoi. Sinon, il va falloir ouvrir la troisième box que t'as acheté pour spéculer. Donc, putain, mais à chaque fois qu'il y a une prise qui sort, j'ai l'impression que... Mais pas tu les as, elles sont toutes différentes. Ouais, à chaque fois que tu les vois, elles sont... C'est le Gundam Renoir. Ouais, bon. Complètement stylé, cette tension là palpable. Zéro tension. Ouais, ouais. Trop de tension, comme dans Nerd. Allez, encore un petit coup. Ouais, c'est celle-là. Ouais, je le sens, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, putain, mais je le sens pas du tout. Mais non plus, j'avais pas vu si. Non, si, tu l'avais vu aussi. Bah, Bob et sa mémoire des. Prends-en mon écran. Putain, ça, c'est la box avec 3 new. J'ai la merde. Oh, imagine, c'est le dernier booster, t'imagines, toi? Putain. Ça serait complètement stylé. Tu l'as pas? Tu l'as putain. Pas? Tu l'as pas? Oh putain, non, mon dieu! On va voir si t'as toutes les règles. Hein. Mon dieu! Putain. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. C'est le petit Gundam qui est en train de tuer le grand Gundam. C'est ça. Ben bravo. Voilà. Bravo Juju, félicitations pour ta. Zarksman Hero, j'ai pas compris. En poussette. C'est écrit en. Ah ouais, c'est écrit. On va espérer que. Et c'est la numéro 4 sur 6. Tiens. Tiens, vas-y. Donc, là, 4 sur 6. Donc, Rastali, est-ce que tu veux me faire un petit récap des... Bah, en fait, ouais, il y a un petit logo en plus là, sur celle-là. Voilà, sublime quoi. C'est beau. Tu vas la mettre avec ses copines. Donc, voilà. Tiens, tu prends la caméra et fais montre-nous les belles cartes. Wow. Les gens sont bourrés, ça y est. Ça donne un peu le mal de mer. Hein. Donc, ça, c'est les nouvelles cartes. L'effet prismatique est un peu new. Est vraiment splendide, hein, on peut pas dire. Contrairement au Fukoku. Ils ont pas lésiné sur les moyens. Ça, hein. C'est vrai que contrairement au Fukoku, hein, on se fait un peu de banane. Hein. J'aime pas trop quand il y a du spoil sur la vidéo d'après dans une vidéo d'avant. Hop, voilà, bah. Merci. Donc, du coup. Moi, je suis en train de faire le récit. Est-ce que dans les boosters en double, on a eu un prisme 7? Bon, il y en a au moins, du coup. Je pense que oui. Déjà, là, t'en as deux de plus aussi. Donc, ah oui. Ah ben non. Non. Je les ai déjà. Donc, 1, 2, 3.
4, 5, il va m'en manquer une. Bondi, je vous hais. Il va m'en manquer une. Ah, ouais, il va m'en manquer une. Celle-là, on l'a déjà. Celle-là, on l'a pas. Bah non, c'est bon. Ah, il y a un bon, bim. T'as un deuxième prisme 7, Juju. Hein. Donc, la Cybermen, tu l'as en 3 fois. Celle-là, tu l'as 2 fois. Ça ressemble absolument pas à un Cybermen. Toi. Ouais. T'as le truc, mais genre, c'est la carte la plus éloignée d'un Cybermen de toutes les autres cartes. Quoi. Tu vois un Cybermen là-dedans, quoi. T'as le truc, c'est une tête de, je sais pas, un truc chelou. Avec, donc voilà. Avec 4 yeux. Donc le but du jeu, ça va être aussi de reconstituer un autre Hex 7, du coup, pour que tu le vendes 100€ à Calice. Non, Calice, je crois qu'il a commandé des box volume 2, c'est juste des new qui lui manque d'une. Enfin, une box. En tout cas, t'as la plus jolie new, je trouve, en double. C'est celle-là. C'est avec le petit, le mec, on voit sa tête. Ouais. Dans la part 1, en fait, il y avait une prisme comme ça, avec juste le perso, et elle était très sympa. C'était ma préférée. Voilà. Et toi, Rastelli, quelle est ta préférée? Ouais, tu me prends un peu. Ah, moi j'aime bien celle-là, regarde celle-là, elle est sympa. C'est la première new qu'on a eue, je crois. Et bon, elle a un très bel effet, quoi. Elle est très dynamique, très jovial. Très dur. Pas mal. Ouais, en effet. Voilà, donc je vous laisse mater 2 secondes le QR code. Hein. Enfin, le code de promo pour jouer au jeu. T'as voilà. Je vais faire une phrase bizarre. Ça va. Je t'ai bien rattrapé. Voilà. Écoute, ouais. Donc Juju. Attends, t'as vu ça? Bah non, arrête. J'ai fait ça bien. Tomber, bon, est-ce que tu as un Rex 7? Bah j'en sais rien en fait, parce que c'est hyper chiant. En fait, il te reste 2 boosters. C'est marrant, il te reste 2 boosters scellés dans la box 2. Et il te restait 2 boosters. Non, je l'ai pas, parce qu'il y a peut-être encore une prise dans celui-là. Non? Ouais. À mon avis, il y a une prise dans ces deux-là. Box 1 et box 2. Box 1 et box 2. C'est ça. Dans il y en avait. Ces 2 boosters là, il est censé te rester a priori une prisme. Ouais. S'il y a 10 prismes par box. 12. Voilà. Il y en a 12 par box. Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, parce que tu es superposé aussi là-bas, c'est pour ça. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34. Donc, sur la box 1, du coup, il va falloir que je complète. Il va te manquer les numéros combien du coup? Bah, j'en sais rien en fait. Attends, je vais les mettre avec les prismes comme ça. Moi, je saurai les trous. Donc 34 sur 36 hein, en règle, c'est pas mal. Ouais, mais peut-être les. Non, mais normalement, il y a leur excès, c'est juste peut-être dans les. Dans les deux restants, ouais. Qui manquent, ouais. Ouais. Hop, 29. 30. Hop, donc. 32. 32, 29, 7 et 1. Donc il me manque les règles 2 et 37. 2 et 37. Ah, c'est moi, je les ai triés. Oh, merci. 2 et 37. 37. Ouais, t'es dans le mauvais sens. T'imagines, tu l'as pas. Ah. C'était lesquels les deux visuels du coup? L'épée et le. D'accord, et le fameux. Le d'accord. De dos, genre. Bon. Un peu genre, je suis beau gosse quoi. Ok. Et voilà, donc, résultat des courses. Bah, du coup, une question, est-ce que la numérotation reprend à 1 ou du coup ça continue avec la part 2? T'as la vraie numérotation d'origine qui reprend la suite. Ouais, d'accord, ok. Et la numérotation du 2 qui est une numérotation de part sur 42. D'accord, très bien. Ok, c'est plutôt bien pensé, je trouve. Ouais, bah c'est. Ouais, ouais bah ouais, c'est vachement malin d'avoir mis 2 numéros quoi. C'est genre... Comme ça, quand tu fais des échanges, ouais, je te change la K72, ouais, je te change contre la 42. Ouais. Et les familles news. Très bien. Bon, bah voilà, bon. Encore un full pour toi, nickel. On passe aux choses sérieuses? Allez. Ah, tu continues dans le même. Non, on va passer à la vidéo d'après. Voilà. Bon, bah à plus tard, les mecs. Ouais, salut. À bientôt.